Je crois que la saison des Bahamas tire à sa fin. Ils ne sont pas en jugés par notre drapeau. Et on a le drapeau du Québec qui, lui, vole fièrement. Wendy! Wendy, bébé! Wendy, bonne fille, ça! On va passer environ 3 semaines à Stanyoki. On remonte vers le nord. C'était pas ce qui était prévu initialement. Enfin, on avait pris d'aller à Luperon pour la saison des ouragans. Mais là, les frontières sont fermées. Luperon n'est pas encore ouvert. Donc, on remonte vers le nord parce que les enfants doivent retourner au Québec pour l'été. Donc, il n'y a pas de vol non plus aux Bahamas. On va aller aux États-Unis, probablement à Fort Lauderdale ou Miami, leur faire prendre l'avion. Et après ça, entre-temps, on espère que Luperon va être ouvert et on va pouvoir descendre le bateau pour la saison des ouragans à Luperon. Tu fais quoi? T'es en train de préparer pour aller faire une petite plongée. Oui, notre chick. Check tout le temps. On s'en va faire une dive. Il y a un autre avion qui est vraiment pas loin. On va diver du bateau cette fois-ci. On n'ira pas en dinghy. On a amené la boussole, la montre, tout. Puis ça, c'est vraiment pas loin. On va se rendre tranquillement jusqu'à l'avion, puis on va revenir après. Le bateau est mort là.
rarement une bouée de mouillage. On préfère être à l'ombre parce que c'est gratuit et parce qu'on a plus confiance en notre ancre. Mais lorsqu'on doit en prendre une, comme dans ce parc protégé, on s'assure de toujours plonger, vérifier son état et sa solidité. Dans le fond, il y a un sentier qui mène à un bubble bath. Des vagues du côté mer qui va par-dessus les roches. Puis ça fait des bassins et des bulles. Puis ici, sûrement que c'est couvert. Ouais, mais l'eau de la mer, elle rentre dedans. On aurait pu aller faire la grotte pendant que ça se remplit. Ouais. Pendant que. Alors on sait que c'est là. Hey. Ouais, c'est. Oh, j'ai pas été doué. On avait Windy avec nous. Et il attend avec Windy. Venez, mon loup! C'est vite avec tes femmes! On s'en va à l'autre grotte! L'autre cave est là! Connaissez-vous beaucoup des chiens qui font des caves? Elle voulait tellement venir, elle se débattait dans le dinghy. Fait que je suis allée chercher Amy et Twin. Un beau spa! Bravo, Amy. Attention, Loïc, là. Attention. OK, tasse-toi. Tu me fais peur. Parfait. Vous avez mis votre roche. Un avion. Un avion. Wow. Wow. Journée de fou. C'est une des plus belles que j'ai eues avec mes enfants. Ce matin, on a navigué de Black Point jusqu'ici. On est présentement dans le parc protégé. On peut pas pêcher ici.
C'est bien correct parce que en fait, ça préserve l'environnement. Fait qu'on est allé faire une dive ce matin. On est allé voir l'avion qui s'est écrasé. Juste là. Juste là, il y a l'aquarium que ça s'appelle. C'était débile. Débile comme journée. J'ai hâte à demain. Si nous avons réussi à mettre un sourire dans votre visage avec cet épisode, n'oubliez pas de cliquer j'aime et vous abonner à notre chaîne. Ça fait toute la différence pour nous. On aimerait également remercier nos Patreons qui nous supportent chaque semaine. C'est grâce à vous qu'on peut continuer de partager notre quotidien dans l'espoir d'inspirer les gens à croire en leurs rêves les plus fous. Merci à nos nouveaux Patreons cette semaine qui sont Denis Bourgault, Martin Pion et Nathalie Gauthier. La semaine prochaine, on explore notre plage top 2 des Bahamas. Nos amis nous avaient dit qu'on ne pouvait pas partir des Bahamas sans l'avoir vue et ils avaient bien raison. Puis, on fait de la voile en continuant notre navigation vers le nord, où l'on aperçoit notre première tombe marine, qui ressemble à une tournade sur l'eau. À la prochaine! On a navigué de Black Point jusqu'ici. De Black Point jusqu'à... ici. On est où, là? Je suis complètement brûlée. Dans tous les sens du terme. Fait un petit coup de soleil, je pense. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? De où? On est juste à côté de... Ah, j'ai oublié. Bon, c'est l'heure de mon apprentissage hebdomadaire, ouais! Faut surtout pas que je regarde! Allez, Loïc! Reste, toujours reste! J'ai faim, moi, allez! Ça devient long! Tu apprends ces chiffres? Ah non, j'en peux plus! Assis! T'es fou, c'est trop long! C'est difficile apprendre à compter, je suis un chien! En plus, vous me faites à croire que c'est des gâteries, et c'est même pas des gâteries, c'est ma nourriture de tous les jours! Je regarde partout, mais surtout pas là! Je sais compter! 1, 4, 3, 5, 8... Tu vois? Ok, Winnie! Bonne fille! Bonne fille! Tu mets le nombre de treats sur le nombre de... la carte. Ouais, pis faut... À un moment donné, elle va faire 1, 2, 3, 4... On va faire en ordre, hein?